sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de l'année 2018. Dans cette vidéo, on va présenter une rétrospective de l'année 2017. Sachant que c'est sur cette année que la chaîne s'est de plus en plus développée. Et ensuite, on va vous faire un petit point sur les différents projets pour l'année 2018. D'abord, la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne en 2017, c'était le 3 janvier. C'était une vidéo sur le freestyle libre. Puis ensuite, jusqu'à avril, j'ai fait à peu près 5 vidéos. Donc pour vous montrer qu'il n'y en a pas eu beaucoup entre janvier et avril. Et avril, ensuite, j'ai fait un reportage pour France 3 sur les discriminations liées au diabète. Donc ça, c'était mon premier reportage. Donc première expérience avec les médias et tout pour parler du diabète à la télévision, et c'est très intéressant. À partir de mai-juin, on a commencé Diabloop, donc le pancréas artificiel. On vous met les vidéos ici si vous voulez aller voir. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis un peu plus investie dans la chaîne YouTube, où notamment j'ai commencé à faire les sous-titrages des vidéos, à répondre un petit peu aux mecs pour pouvoir aider Elise pour la chaîne Diab'Aide. Et du coup, à partir de juillet, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à intensifier vraiment les vidéos, à en faire de façon plus régulière, sur des thèmes plus variés, et à en faire notamment 2 par semaine, le mercredi, le dimanche, à imposer vraiment des rendez-vous réguliers toutes les semaines comme ça. Puis ensuite, en août, j'ai participé à un reportage pour TF1 pour parler du diabète, des nouvelles technologies, notamment la gestion de tout ça, mais l'été, avec la plage, avec tout ça, la piscine, enfin l'eau et tout ça. Et donc, c'était vraiment une expérience très intéressante, puisque le premier reportage c'était une chaîne locale, c'était plutôt enfin régionale, c'était France 3 Provence Alpes Côte d'Azur, alors que là c'était sur TF1, c'était une chaîne nationale, et c'était vraiment une très bonne expérience et c'était très intéressant. Ensuite, en septembre, je suis allée à Lisbonne pour le congrès EASD avec Roche. Ensuite, on a fait le semi-marathon de Disneyland Paris à Paris, et ensuite je suis allée à Paris avec Medtronic pour une rencontre blogueur. Ensuite, au mois d'octobre, on a fait une rencontre avec les enfants de l'association Blade. On vous a fait aussi une vidéo là-dessus, et on a aussi organisé une soirée sur le thème du diabète de type 1 avec la mairie du 11e et 12e arrondissement de Marseille qui nous ont fait confiance. Et enfin, en novembre, nous avons participé à la Blade Run. On l'avait déjà fait l'année dernière pour courir simplement la course. Cette année, l'association Blade nous a offert l'opportunité d'avoir un stand et de parler de Diab'Aide avec des enfants, avec des parents d'enfants diabétiques et tout ça. Et du coup, on a aussi couru la course. Et à cette occasion, France 3 est venue pour filmer l'événement et nous a donné l'occasion de parler du diabète de type 1, encore à la télé, sur un reportage qu'ils ont appelé Diabète de type 1, une vie normale. Voilà, donc vous voyez bien que l'année 2017 a été très riche de diverses choses. C'était très intéressant, hein, aussi bien les rencontres avec les enfants, avec les parents d'enfants diabétiques ou avec des adultes diabétiques de type 1, mais aussi tout ce qui est rencontre avec les associations, les professionnels, les laboratoires et tout ça. C'était vraiment très enrichissant et on espère que ça va continuer pour l'année 2018. Pour ce qui est de l'année 2018, on va vous parler un peu des projets que pour l'instant on a qui sont déjà fixés. Donc la première chose, c'est en janvier, je commence, moi seule, Anne ne va pas la faire cette année, je commence la formation de patient expert à Marseille, donc c'est un certificat universitaire, et dès que ça aura commencé, je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Le 4 février, on a une intervention prévue sur la gestion de notre diabète avec le capteur Dexcom, avec l'association Dialogue 34 à Palavas les Flots, juste à côté de Montpellier, et donc du coup on aura le plaisir de vous rencontrer là-bas si vous voulez venir faire un tour à cette intervention. Ensuite, le 4 mars, on a le semi-marathon de Paris auquel on est déjà inscrite. On va aller le courir, donc si vous voulez venir nous encourager sur le côté, on sera contente de s'arrêter, de discuter un petit peu avec vous pendant la course. Et en mars, je monterai à Paris avec Medtronic et l'association française des femmes diabétiques pour faire partie du jury qui sélectionnera le ou les gagnants du concours Leur Rêve à Elle. Et enfin, si vous avez envie de venir nous rencontrer, on aura 2 événements auxquels on va tenir un stand. Donc d'abord, le 2 juin, il y aura la boucle du diabète avec l'association Type 1 Running Team. Et le 17 novembre, il y aura la Blade Run avec l'association Blade au Décathlon de Bouc-Bel-Air à côté de Marseille. Voilà, après on a d'autres projets également qui vont arriver mais qui ne sont pas encore fixés, ou on n'est pas encore sûr, donc on ne peut pas vraiment vous en parler dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez envie qu'on se rencontre ou qu'on participe à un événement près de chez vous, n'hésitez pas à parler de Diab'Aide à vos associations ou à vos centres hospitaliers ou à votre médecin ou à votre infirmière, etc. Parce que nous, on peut se déplacer sans souci dans différentes villes en France ou ailleurs éventuellement, et participer à des événements pour parler du diabète ou d'autres choses, des thèmes plus spécifiques, et puis vous rencontrer également. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, l'année 2017 a été vraiment super et on espère que l'année 2018 la sera également. Voilà, on vous souhaite une très bonne année 2018 avec nos meilleurs voeux, une santé, de l'argent et tout ça, du bonheur, de la famille, de l'amour et tout, bah, tout en fait, voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook si c'est pas encore fait. C'est peut-être une bonne résolution pour l'année 2018. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.